Wolves asleep in midst the trees. Bats all a-swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goose hawks and rays. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle et les laisser dormir. Et ? Ah, la suite devra attendre. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Witcher. On se retrouve après la petite histoire du baron glouton. Et il veut nous faire attendre l'enfoiré. Hein. Moi je suis pas d'accord. Parlez. Alors bon, je sais ce qu'il veut. Hein, je comprends par là que l'information ne sera pas gratuite. Voilà, on a tout compris. Juste. Il veut nous faire chercher sa fille et sa femme, je il crois. Il se trouve que de mon côté, ah, comme par hasard. Une fille et une femme. Il en a parlé. Hein. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés et je vous dis ce que je sais sur celle que vous cherchez, sans rien omettre. Et si je refuse ? Et si je refuse, comme ça, sans raison ? Vous m'enverriez paître ? Allez-y. Mais je vous rendrai la politesse. Ce qui ferait de nous deux désespérés aux mains vides. Ouais, j'avoue que si on refuse, voyez ça lui, comme il gagnera, la quête moi j'y gagnerai. Votre propre fille. Autant faire vite, donc. Quand les avez-vous vues pour la dernière fois ? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par disparu ? Bah, ils sont plus là, quoi. Eh bien, ils sont disparus, ils y sont plus. Je suis réveillé un beau matin. Ils étaient plus là, ils voilà. Plus là. Merci. D'accord. Il faut plus d'informations, quand même. Il faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre ? Dans allez, laisse-moi fouiller. J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. D'une petite culotte ou un pas petit question god. De laisser un étranger fouiner dans leur oh affaire. Là là. Vous voulez que je les trouve, oui ou non ? Ce rabat-joie. Oui. Alors laissez-moi travailler. Entendu. Mais je vous accompagne. Les portes sont fermées à clé. Ouais, c'est ça. Mec, il a un truc à cacher, c'est obligé. Bon, eh bien, fouillons la chambre du baron. On va trouver un steak sous l'oreiller, je le sens. Toute jeune, ma fille adorait les animaux. Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée au mur. Savez-vous ce qu'elle demanda, alors ? Non, mais tu vas me le dire, je suppose. Papa, t'as vu ? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. T'aurais pas de la vodka ? Chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Nous y voilà. Sympa, la fille. Foutre de d'accord, mec. En fait, c'était pas fermé à clé, hein. Tamara est par là. Tâchez de n'en rien abîmer. Ouais, alors, t'inquiète. Que tout soit à sa place. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ah ! Oh, c'est pas drôle ! Bah alors, y'a rien qu'à bouger, putain. Dans Skyrim, tout aurait bougé, hein. Les verres, on peut pas les faire bouger. Ah si, voilà. Bon voilà, bref. Tout n'est plus à sa place, on est content. Ça, ça bouge pas apparemment. Examinez. Un chandelier en bois. Cassé. Génial, super important. Ok. Alors, est-ce qu'on peut... Donc le chandelier, c'est fait. Là, il y a une commode. On va rien lui prendre, allez, on est gentil quand même. Ah ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile peut-être. La taille correspond. Quelle toile ? Je ne vois pas de toile. Ben, n'empêche que c'est assez flagrant. Hein. Mais la toile, elle est où ? À tous les coups, elle est sur... devant mes yeux et je ne la vois pas. Ah, c'est ça ? Pourquoi ils l'ont déplacé ? Baron et sa femme. Ils ont l'air heureux. Et où est la fille ?
Qu'est-ce que... Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Ouais, moi non, parce que de l'autre côté, il y a un meuble en fait, donc bon... Examinons. Il doit y avoir un trou à l'intérieur du meuble, non? Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. Ah. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. Oui, donc il y a eu un combat, très bien. Fouillons de notre part. Pourquoi il tient à regarder? Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. Ouais, enfin, c'est un peu fané quand même, hein. C'est de la merde. Le mec, il a un bouquet de fleurs, bah tiens, je t'ai ramené de la lavande. Hein. Le mec, il en a rien à foutre. On ramène un truc tout pourri à sa femme. Tout ça, j'ai fait. Ça, là-bas, j'ai pas fait. La commode, ici, je l'ai pas fait. C'est fouillé, hein. Mais de toute façon, il y a rien d'intéressant, donc je vais pas prendre. Je pense qu'on a tout regardé ici. On va aller voir l'autre chambre. Ah mais non, attendez. Et ça y était pas ça avant. Tiens, l'autre partie du chandelier. Et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute. De l'air Vélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. Ah, donc il faut suivre. Ah, l'odeur, on suit l'odeur. Ok, très bien. Bon bah suivons l'odeur. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Faut combattre le mal par le mal. T'aurais pas de la vodka. Oui, bon, on va suivre. Ah, il veut pas courir, très bien. Vas-y. On sent. La piste disparaît. Je trouverai peut-être autre chose, cela dit. Ah ha ! Un talisman. De l'épicéa. Un relent d'encens de genévrier. Un genre d'amulette de protection. Donc c'est ce qui était caché dans le placard. Que j'ai fait le tour. Bah, je suis pas allé fouiller là. Non, moi je vais aller fouiller. Je suis désolé les gars, mais j'ai pas fouillé ici et ça me perturbe. Là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ah! Objet de quête. De l'encens et une vieille clé. Je me demande ce qu'elle ouvre. On prend! Bague en or. Bois de santal et autre chose. Du safran. Du safran. Qu'est-ce que c'est que ça? Lettre pour Tamara. Ça me dit d'aller ailleurs, mais d'abord on va visiter la maison, enfin la chambre. Ici. Là, très bien, il n'y a rien. Et ici, il y a un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? C'est tout le temps la même chose. Hein. Poupée à sucrerie. Ouais, non. J'entends des petits bruits de rats, ça fait flipper. Ah ah! Tiens, des chaussures. Très moche cette poupée. Ah non, le genre poupée. Qu'on transperce pour faire du mal à quelqu'un. Une poupée vaudou, sympathique. Je vais le faire pour les viewers qui me mettent des pouces rouges sans raison là. petite dédicace à vous. Hein. Je vous aime quand même. Ça va un petit peu quand même. Vous faites pas ça en mal, je suppose. J'espère. Eh hey, grison! La tronche de quelqu'un qui s'est aussi cuité hier soir. Ouais, enfin, la tronche, tu peux parler un peu meilleur, hein, quand même. Donc ça descend, bah, on descend aussi. Ah, ça va dans la... Non. Mais tu te crois drôle? C'est pas drôle, mon dieu. Est-ce que ça va là ou ça descend? Là, j'ai pas l'impression que ça aille par là. Hein. Au sol, non. J'ai l'impression que ça descend. Regardez, ouais, ça descend. Hop, on va un petit peu marcher vite. Bon, là, par ici. Je crois qu'elle pionce, la crampe. Ah non, alors, qu'est-ce là-bas. Que t'attends pour la réveiller si elle pionce? Par là-bas, très bien, on fouille. Ça va là-bas, hop. Et là, là, je l'ai perdu, c'est par là. Qu'est-ce qu'il y a par là? L'odeur va par là, elle continue. Ah, c'est verrouillé. On a la clé. Très bien, voilà à quoi servait la clé.
Bah, elle est rouillée, mais elle marche toujours, hein, comme quoi. Oh putain! Mais on dirait le sanctuaire que j'ai fait dans Minecraft. Assez glauque, hein, par ici. Un hôtel. Ainsi le feu éternel a gagné Vélène. Un hôtel. Oui, mais tu l'as déjà dit. Ainsi le feu éternel a gagné Vélène. Une prière. Ok. C'est pas ça. Lisons la prière. C'est ici la prière ou pas? Œil de troisième carte, on s'en fout. Non, elle est là-haut. Hein. Elle est là. Prière. Feu éternel qui rend notre cœur plus léger et nous apporte la lumière. Réchauffe-nous de ta chaleur. Sèche nos larmes. Brûle nos ennemis. Prends soin de nos amis. Garde ma mère en bonne santé. Punis mon père. Aide-moi à accomplir ma destinée. D'accord, donc en fait, ils se sont enfuis, hein, carrément. Et la lettre pour Tamara? Nous formons une sorte de grande famille. Nous nous soutenons les unes les autres. Et nous entraînons afin de traverser les épreuves et d'affronter le passé. Car chacun d'entre nous a un passé. Alors, vous n'avez pas à craindre que quiconque fouille dans le vôtre. Nous avons une règle. Ne demande jamais plus que ce que l'on... offre. Qu'importe le passé, seul compte pour notre avenir et notre combat commun contre le mal, la dépravation et les pratiques répugnantes en tout genre. Je n'ai rien compris. du coup... Un hôtel. Non, mais non, un mais non, je croyais qu'on pouvait l'éteindre. Du coup, il n'y a rien d'autre. Par ici, non. Je vais éteindre ça parce que ça me fait peur. Bah, éteins-le. Très bien. Donc ça, examiner, c'est bon. Bon, ben, parlez de vos découvertes au baron. Même si apparemment, il s'enfuit, hein, parce que le baron, il ne l'aime pas du tout. Allez, on remonte. Hop, c'est par là-bas. Les gardes du baron, on s'en fout. Mais ça va pas te cracher, mais ils sont vraiment dégueulasses, les gardes du baron. Tous des bandits. Hop. C'est encore en haut. Mais le mec il pète à chaque fois que je passe, il est... Sérieusement. T'as fini de fouiner? Oui, ça y est, j'ai fini. Alors, j'ai trouvé une poupée. J'ai trouvé une poupée dans la chambre de Tamara. Que pouvez-vous m'en dire? C'est une poupée. Hein? En quoi une vulgaire poupée peut-elle vous intéresser, sorceleur? C'est une poupée vaudou. Elle semble avoir été utilisée pour pratiquer la magie noire. D'où Tamara la tient-elle? La magie noire? Vous délirez. C'est moi qui la lui ai faite. Elle avait 4 ans. Peut-être 5. Ah, le mec, il coue et tout. C'était à Vizima, un jour de marché. En voyant la magicienne Triss Merigold, elle insista pour avoir une poupée à son effigie. N'ayant pas les moyens d'en acheter une, j'en ai fabriqué une de mes propres mains. Ah ah ah! Ça, Triss, sans vous offenser, le travail manuel et vous, ça fait deux. Sans vous offenser, vous êtes une merde. Prenez-nous du bois et du chiffon et voyons quelle image d'une adulte vous pourrez produire. Oui, bon, on va tout parler, hein, parce que tout ça, c'est intéressant. Ça vous dit quelque chose? De lutte? Qu'est-ce que vous me chantez là? Quelqu'un a été attaqué, probablement votre femme ou votre fille. La victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier. Elle a loupé l'agresseur et perforé le mur. Puis, il y a eu lutte. Je ne peux rien vous dire à ce propos. Cette nuit-là, j'étais sous. Évidemment. Un trou noir. À mon réveil, elle n'était plus là. Vous n'étiez pas seul au château. L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose. Par 3 fois, j'ai demandé à ces branques s'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit, mais non. Personne ne sait rien. Bah, ils étaient tous bourrés aussi. Hein. Le palier empêche le vin. Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Il doit être la faute de l'un de mes gars. Ouais, ou toi. C'est tous des poivrons, le mec qui dit qu'il était bourré ce jour-là. C'est peut-être moi qui en ai renversé. Je vous ai dit que j'étais cuit cette nuit-là. En quoi ça vous intéresse? C'est pas le seul coin qui sente la vinasse dans ce château. J'avoue que ta gueule, elle sent bien la vinasse aussi. Bon, du coup, l'amulette. Vous connaissez cette amulette? Oui, oui. Anna la portait depuis quelque temps.
Une idée de son origine? Aucune. Et pourquoi il parle pas ou rebouteuse dans les parages? Du rituel en un chaman, un vieux birbe qui vit près de Noirfuté, et une rebouteuse à Aubreuil. Mais je n'en sais pas plus. Elle vient d'arriver. Aha! Si Anna a vu quelqu'un, ce serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. Ouais, mais bon, une étrangère qui arrive et de suite la disparition, c'est quand même... Bon, ben, je vais rendre visite au chaman et puis après j'irai voir la sorcière. Je vous préviens, l'homme n'est pas commode. Ouais. Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin. Et qu'il en est resté cinglé. On dit aussi qu'il voit des fantômes. Et les fantômes, ça existe. Et qu'il besogne ses chèvres. Comme le Père Noël. C'est pas ce temps leur garde. C'est cette amulette qui m'intéresse. Bon, allons voir ce chaman. Qui sait aussi cuité. Ah ah, niveau 10. Génial. Du coup, par où on sort? C'est par là? Par là. Ah, la sortie. L'air libre, enfin. Du coup, allons voir ce chaman. Si j'ai envie de toucher une vilaine, je le ferai. C'est beau ici. M'en de ces interdictions. Ah ouais, mais il veut carrément que je sorte par là, mais je peux pas sortir par l'entrée principale, non? Genre, au lieu de repasser par le trou... Ah, Ablette qui réapparaît. Très bien. Comment es-tu passé? Même moi, j'ai pas réussi. Ah voilà, là, il me laisse passer. Bon, du coup, ça fait une ville de plus, c'est cool. Mais ça ne fait pas partie de l'histoire, donc on ne passera pas par là. Mais pourquoi tu tournes pas où tu vas, vu le mec Allez, ouvre! Sésame! Merci. Alors, le chaman. Du coup, le chaman, où se situe-t-il? Ah oui, il est assez loin. Il est plus près... Donc on va se TP à Noirf... Noirfontruc, je sais pas quoi. Putain, j'arrive jamais avec ces noms. Mais n'importe quoi. Hop. Ils sont fait défoncer. Range-moi ça. Non, pardon. Je voulais descendre, je voulais pas sortir mon épée. Voilà, voyage rapide. Auprès de Noirfulé. Ouais, très bien. Hop là. On rappelle notre petite tablette qui a fait le voyage rapide avec nous, à côté de nous. Bah, où est-elle? D'accord, elle prend son temps tranquille. Ça va, tu crois qu'on a que ça à faire? Je te jure. Allez, c'est parti. Pourquoi j'ai encore mon épée en jeu là, cette épée? Dommage qu'elle soit partie. Ça t'étonne. Oups. Hop là, des chiens enragés. Ouais, on s'en fout, hein, les chiens enragés. Ils sont niveau 1, ils servent à rien. Ok, mon cheval qui fait des siennes. Donc c'est par là, c'est... Ah bah elle est là la maison. D'accord. Hop. Ah, saleté d'arbre. On peut pas passer, hein. Tout doux maintenant. Tout doux. Nous sommes arrivés à la hutte du chaman. Qu'est-ce que tu veux? Parler au chaman. Je veux parler au chaman. Je suis à la hutte du chaman, je veux parler au chaman, c'est logique. Ça va être long. Ah merde. Je peux pas lui... Non, 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 non. Partez ou mourrez. Ah, ils m'ont rien fait. Ça m'emmerde, en fait. Je veux savoir ce qu'ils veulent d'abord. Lui donner ce qu'il mérite. Ah, ils veulent te tuer? Il a fait de la divination. Il a dit que le mal était dans les boyaux d'Edric. Et qu'il fallait qu'il mange des bêtes sorbiers, des tas. Depuis, Edric passe sa vie aux latrines. Et il est couvert de pustules toutes dures. Ouais, bah logique quoi. Mec, il chie sa vie quoi. Ah! Il se trouve que j'ai besoin du chaman vivant. Promettez-moi de le laisser tranquille. Et je vous dis quoi faire pour Edric. Hé! Pour qui tu te prends?
Pour un sorceleur. Un sorceleur. Oh, vous entendez, les gars? Soit Velen grouille de sorceleur, soit c'est le fils. Ah merde! Créer les nôtres à la croisée. Ma maman était une personne respectable. Bon bah du coup, bah, c'est parti. Dégage. Bon, ils sont faibles. Je vais. Aïe, aïe. Ah merde, il a eu. Il a touché mon front. Allez, toi, tu crèves. Bah, dans ta gueule. Non, tu n'as plus de gueule. Excuse-moi. La dent d'un homme qui se tient de foudre des amis d'Edric. Bon, bah tant pis, hein. De la teinture, sympa. On prend pas ça, on s'en fout. Bon, c'est pas grave. Allez, on prend tout. Hop, 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 hop. Voilà, très bien. Bonjour, chaman. Je crois que tu t'es fait un ennemi. Il s'était pas commode, ce derrière. Ohé, y'a quelqu'un? Ohé, du bateau. Ouvrez, vous n'avez rien à craindre. Par les démons, qui ont-ils amené? Que voulez-vous? J'ai besoin de votre aide. Ouh, un homme? Non, un loup, gris bien qu'encore jeune. C'est lui que le chaman attend. Ah, il m'attendait. Ça va. Troll! Troll m'attendait! N'importe quoi. Oui, ben, je suis curieux de savoir. Moi? Oui, Ida. Les ossements l'avaient prédit. Ils viendront, puant la mort et le viol. Mais le loup les dispersera. Le loup blanc. Et le voici. Les augures ne mentent jamais. Putain, j'aurais dû payer pour le contredire. La merde. Allez, j'ai besoin de ton aide. Vous reconnaissez ceci? Bois d'épicéa, forte odeur de genévrier. C'est fait pour protéger quelqu'un? Épicéa coupé de frais. Ouah, le cochon! De sang de chèvre. Mais c'est dégueulasse! Fumé à l'encens d'humus et de genévrier. Pour Anna, pour la protéger. Elle la protégée de quoi? Conçue pour la protéger, donc. De quoi? Ah, la pauvresse. Assiégée, elle était. Le mal tout autour, prêt à la posséder. Une vieille magie née de l'oubli. Des sources obscures ont émergé. Une vieille magie? Vous pouvez préciser? Il ne faut pas en parler. Pas y toucher. Un pauvre petit charme de protection. Tout ce dont un chaman est capable. J'ai rien compris. C'est vous qui avez fait l'amulette? Ah, le chaman, bien sûr. À la façon des ancêtres, au-dessus. Mais c'est toi le chaman, tu dis oui, c'est moi, c'est tout. Merde. Aussi efficace qu'une amulette peut l'être. Bonne protection. Elle n'aurait jamais dû l'ôter. Bon, vas-y, dis-moi. Anna et sa fille ont disparu. Savez-vous où elles sont? Non. Non et non. Le chaman ne sait pas. Putain, ce pif. Mais les esprits, tu es suspect quand même. Le chaman consultera les augures, les esprits l'exil. Les esprits. Génial. Du moment qu'ils me disent où chercher, ça me va. Perdu, perdu. Faut retrouver... Princesse. Pour trouver rien de mieux que princesse. Princesse? Quelle princesse? Ouais. Princesse, ma chèvre! Elle a filé! Oh! Ces types ont dû l'effaroucher. Pouvons-nous en revenir aux augures? En même temps, tu tues des cochons à côté. C'est normal que princesse, elle s'en va. Chèvre? Impossible! Pas de princesse? Bon, après la petite sirène, c'est le remake de Monsieur Seguin, c'est ça? Allez, on va chercher une chèvre. Si je ramène la biquette. Je ramène la biquette. Princesse, où es-tu, petit? Très bien, je trouverai votre biquette. La clarine. Le tintement de la clarine. Elle adore. Carillonner et elle suivra. Un moment. Un moment, mais avant de s'échapper. Attention aux murs et aux framboises. Oui, de vrais monstres assoiffés de sang. J'ouvrirai.
Vous possédez un nouvel objet de quête, équipez-le en le plaçant dans... Oui, ça évite la lanterne de merde, c'est ça? Très bien, parce que la lanterne, hein, ça casse les couilles. Ah, gling, gling, gling. Ben, c'est déjà équipé. Bon, ben, la prochaine fois, nous irons voir, nous irons chercher la chèvre de Monsieur Seguin. Merci à tous de m'avoir suivi pour cet épisode. Je vous dis bisous à tous, bye bye.